Bonjour ou bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonjour. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonjour. 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 Bonsoir. Bienvenue dans ce journal du confiné. Je vais lui poser quelques questions sur comment elle a vécu son confinement. Et comment avez-vous occupé vos journées ? J'ai regardé des séries, j'ai lu, j'ai été promener mon chien, j'ai fait du vélo. Voilà. Comme tout le monde, j'ai fait comme j'ai pu. Bah, j'ai essayé de m'occuper comme je pouvais, j'ai fait de la pâtisserie, je me suis promenée, j'ai fait des photos. Enfin voilà, j'ai essayé de faire quelques trucs pour occuper mes journées. Eh bien, j'avais des devoirs en ligne, j'ai chanté, j'ai dansé, voilà, je faisais mes concerts dans ma chambre. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de jeux de société avec mes parents, j'ai commencé des nouvelles séries, enfin, j'avais toujours quelque chose à faire. J'ai fait beaucoup de vélo aussi. Pas grand-chose, parce que je savais pas quoi faire, alors souvent j'étais sur mon téléphone et des trucs comme ça. Au début, j'étais fort dans m'occuper mes journées, faire plein de choses, cuisiner, etc., ranger et tout. Mais puis, plus le temps passait, plus j'ai rien fait de mes journées, je dormais tout le temps. Ça dormait long. Ouais, c'était toujours la même chose, donc plus dormir, regarder des séries, etc. Personnellement, j'ai commencé un nouveau truc, donc j'ai commencé à coder, donc de l'informatique. J'ai beaucoup lu aussi, j'avais arrêté de lire pendant longtemps, et donc là, ben, comme j'ai eu plus de temps, ça m'a permis de recommencer à lire. J'ai regardé des séries, tout ça. Et j'ai repris contact avec des amis avec qui je n'avais pas parlé depuis assez longtemps. Et donc, j'ai pu beaucoup me rapprocher d'eux. Et on a même créé un projet de groupe de musique tous ensemble, puisqu'on a tous acheté un instrument. Donc voilà, c'est chouette. Tout, presque. Moi, au début du confinement, j'ai pas vraiment vu mes amis parce que les filles, on ne pouvait pas trop. Du coup, j'ai beaucoup regardé Netflix et dormi, mangé, tout ça. Comme un ours un peu. mais genre vers la fin du confinement, j'ai été beaucoup plus sociable du coup avec le même groupe d'amis toujours. Et du coup c'est bien, ça m'a fait découvrir qu'en fait les gens, bah c'est bien. Un peu tout, j'ai fait de la cuisine, j'ai dessiné, j'ai rangé, j'ai regardé des séries, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai... voilà, je me suis occupée quoi. Un peu de tout et de rien. Mais encore ? Bah, des jeux en famille, plusieurs séries qu'on a regardées, un peu de tout. Bah moi, au début du confinement, j'étais plus à toujours regarder des séries. Je regardais, je me levais, je mangeais, c'était séries, puis voilà. Et ensuite, après, quand le confinement a commencé à diminuer, les vagues et tout, j'ai pu reprendre contact avec des amis, j'ai pu refaire des sorties, redécouvrir le monde après ce confinement. Et c'était voilà, des activités entre amis. Pour ressortir, j'ai aussi repris quelques activités comme la danse. Ça aussi, ça faisait du bien. C'était voir d'autres personnes que son cercle restreint. Mm-hmm. C'était bien. Une super soirée et à la prochaine fois. Au revoir! Au revoir! Au revoir. Au revoir.